Jacques Tondeur, bonjour. Bonjour. Quelles sont les particularités des gîtes pandas ? Alors, les particularités des gîtes pandas, bon, c'est d'abord, pour être gîte panda, il faut faire partie des gîtes de France, il faut être dans un parc naturel régional, puisqu'il y a un accord entre le WWF, les parcs et les gîtes de France. Gîte panda, c'est un label octroyé par le WWF, protection de la nature, et on signe une charte de... Je dirais une charte d'excellence et une charte d'amélioration qui est valable 3 ans, qui ne demande pas forcément un investissement financier, mais qui nous demande à évoluer sur les 3 ans, à s'améliorer sur les 3 ans. Alors la particularité, c'est l'éco-citoyenneté, le respect de la nature, le respect de l'environnement naturel, l'environnement bâti, et le respect également, chose à laquelle je tiens, le respect de l'humain. Nous ici, notre particularité était beaucoup basé sur les oiseaux, puisqu'on a recensé 54 types d'oiseaux différents qui gravitent dans un rayon de 500 mètres là autour des gîtes. Il y a des nichoirs un peu partout, il y a des mangeoires un peu partout. Alors pour les touristes, pour le visiteur, alors le touriste qui peut venir de très loin comme de proximité, parce que le tourisme durable c'est aussi du tourisme de proximité, il a l'assurance de participer à l'éco-citoyenneté et d'y jouer un rôle également. Oui, on essaie de leur inculquer, d'appuyer sur les points des éco-citoyenneté. Par exemple, lors d'une réunion panda, il en est sorti les affiches que vous pouvez voir là derrière, la chouette qui parle, une affiche sur l'économie d'énergie, une affiche sur le consommer local, une affiche sur le tri sélectif. Ça permet de faire connaître ça aux gens. Ensuite, il y a toute l'observation de la nature. Parler des oiseaux, le bocage avénois, le patrimoine bâti qui est très important dans l'Avénois. Il y en a des exemples au mur par des aquarelles qui font connaître la région. Il y a également, si possible, une initiation à la flore locale. Actuellement, vu le temps, les potagers ont beaucoup de retard, mais il y a plein de plantes à l'extérieur avec lesquelles on peut faire des soupes, des choses comme ça. Qui ne sont pas du potager, des plantes sauvages que l'on peut manger, et puis les égopodes et autres. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça sont des choses que l'on a appris lors de nos ateliers panda. On continue à évoluer. C'est une continuité logique de ce que l'on vivait jusqu'à maintenant.